Bonjour sur Wendy 609 et vous faites bonsoir. Bienvenue dans le cadre de nouvelle émission. Nous profitons de saluer tout haïtien qui branché en barre à code 609 là, qui obtient bonjour informations, commentaires à analyse. Nous allons rapidement parler de information ça. Ailleurs, information qui t'a dominé l'actualité là, c'est que Bandio t'est retourné dans l'hôpital général seulement 24 heures. Après que PM Gary Conille, qui était accompagné conseiller président Louis-Gérald Gilles, t'a fait une visite dans l'hôpital là, ensemble avec Ramon Dormil, qui est directeur général la police nationale là. Mercredi, hier, Bandio, selon information yo, yo t'a tiré coup de balle sous local l'hôpital général là. Et oui, dehors l'hôpital là, en pile coup de balle, malfrats yo t'a même défoncé barrière l'hôpital là. Selon ça qui t'est rapporté, mais apparemment ça qui t'est rapporté a semblé les plus t'es une rumeur que une information. Je dis à la gon l'autre information qui vini gagné image gagné des postes suivant ça qui écrit sous compte X de mon info gagné un tweet que li fait là côté li dit pas de gagné aucune attaque qui t'est faite sous l'hôpital général. Ayer, mercredi, d'après Magali habitant, nous connaissons qui ATA, qui entre dans une initiative pour lui nettoyer ensemble de zones dans l'air métropolitaine. Les Magali habitants qui t'a montré quelques journalistes commencement nettoyage que lui a fait dans Kafou, Madan Kolo, au niveau de Sénan Zone, Bostad, et qui bat sous l'hôpital général. Maintenant, comme nous est image, comme nous est photo yo et comme nous est en série de l'autre séquence encore, nous en mesure pour nous faire un petit cal confiance avec information qui entre première information qui t'a fait quoi que t'es gamin dit que t'es retourné attaquer l'hôpital général. Alors comme pas gagne pile monde qui était aux alentours de l'hôpital général, les riverains qui pas présent, qui pas existé, nous pas capable demander aucun monde est-ce que t'es tendé, est-ce que c'était vrai. Ou bien, est-ce que vous avez montré nous côté balle t'est tiré? Donc, jusqu'à preuve du contraire, pas de gagné, bandit qui t'est retourné pour venir tirer coup de balle sous l'hôpital général. Alors, Magali habitant mette pied la terre, li lance une initiative, selon ça le dit, qui privé, donc l'État pas avec lui, pour nettoyer Port-au-Prince. Maintenant, gros danger dans question ça. En plus, le monde qui a observé, qui a analysé, pensez que gon danger qui gen là et qui danger qui gagne le yon citoyen ou yon citoyenne après une initiative pour la paix par rapport avec Jean Saïd là nan moment ou connaissez son façon pour que chaque le bay sa arrivé c'est l'État nous empêcher prendre responsabilité ça c'est une. Deuxièmement, est-ce que nous connait qui est-ce qui derrière campagne de nettoyage ça, certes, campagne de nettoyage là, sont très belles initiatives parce que même si un peu monde pas fréquenter zone ça yo, mais nettoyage là est nécessaire parce que si nous pas nettoyer, nous capable vinn gagner de problèmes de santé publique côté grand pile maladie capable jamais. Gon sey de la fièvre qui vient de yo là, gon grippe qui vient de yo là, et pas non seulement parce que gagner temps cap changer, parce que gagner saison cap changer, mais c'est parce que environnement que nous la donnons, littéralement immonde, littéralement sale, li provoque une série de maladies qui, donc, par conséquent, li toujours bon pour que les citoyens prennent initiative pour que on nettoye ensemble de côté. Maintenant, faut nous questionner qui sac derrière mouvement ça en même temps, parce que, en pile froid, c'est même monde qui est responsable, route yo krasé, qui responsable gangsterisation pays a qui connent des initiatives pour réparer certaines choses. Alors, généralement le a préparé, yo fait dans sens pa yo. Deuxième bail qui est important. Oui pour initiative là, mais li pa doit remplacer l'État. Parce que est-ce que nettoyage ça tout grand question pour nous poser. C'est pas une manière pour que la police là li gagne facilité pour l'almener des opérations. Ça qu'arrive que Magali habite en fait nettoyage juste parce que le voulait pas arrêter pour l'al candidat.
mais ça provoque au contraire li entraîne des conséquences qui viennent favorables pour la police, en ce sens que la police a joué une série de routes débarrées, une série de routes qui désengorgées pour planifier l'opération le plus bien. Alors il faut penser aussi à cette conséquence parce que il est capable de venir favorable pour la police nationale d'Haïti. Alors, qui genre doit gérer question gang là? Une question pile mon a posé, Guy Philippe foué toute colle dans cause ça. Est-ce que c'est opération qui pour permettre que le vienne en bout de gang yo? Est-ce que c'est dialogue là qui capable permettre que nous rétablir la paix? Ou bien est-ce que c'est amnistien qui capable rétablir calme en un pays? Maintenant on regarde opération. Opération faut que nous ta gagne une police qui renforcée. Une police qui bien campée avec toute l'armée. Mais nous pas là. Nous pas là parce que nous la police généralement pour le déployer c'est leur gagne un VIP ou bien un officiel dans l'état qui peut rendre visite dans une institution. Mais après ça, c'est pas une police qui capable déployer n'importe qui gens. Même si Vénérable Toussaint Louva ba nous en pile espoir que la police la pral fort en pile, mais nous obligé vigilant. Lèm gade à travers étoile là encore. La police nationale d'Haïti bral 1 million fois très puissant. Pas oublier. Maintenant, est-ce que c'est dialogue? Dialogue pour faire qui ça? Dialogue pour mander ou bien pour bay qui ça? Parce que depuis un dialogue, gon moun ka bay, gon moun ka pran. Donc l'autre la ka bay, ça en va en pran. Donc c'est en question de bay pran, c'est en question de contribuer, dialogue là lui-même lié. Donc est-ce que dialogue là c'est pour bay justice avec moun ki victime yo? Bon là grand pile moun ki t'a pas à l'aise dans question dialogue là parce que nèg yo tellement fait de tort avec on catégorie moun nan peyi a qui vient faire que jodi a soit parler de dialogue et que ou pas parler de justice ou pourquoi qu'on soit parler. Est-ce que dialogue là c'est pour aller en prison? Bon là encore est-ce que c'est pour nèg yo capable faire moins en prison par rapport à ça que ta doui prévoir pour yo? Si c'est sur ça que n'aller grand pile moun ki ka bat bravo. Ou alors est-ce que dialogue là c'est pour exiler quelques chefs gang? Parce que selon ça qu'a dit là, selon ça que nous tendez, semblait autant que gain possibilité pour ça fait que Guéléné qui quitte pays là, autant prophétie a parlé de ça. Tout ça va parler de ça. Est-ce pas montrer gain des général qui sont intelligent qui a quitté pays là. Tendez bien. Gain des général ou pas jamais tendre parler de yo. Tendez bien. Mais c'est où on a fait réunion dans le secret. Faut scave maintenant entre al garder nous. Il y a des généraux on pas jamais t'aller parler de eux. Mais ça prend dans nous. Gien dans nous balle en prison. Gien dans nous qu'a mourir. Mais gien dans nous qu'a jeter nous. Gien dans nous qui va Jamaïque moi ouais. Gien dans nous qui va l'Équateur. Gien dans nous qu'a porter Colombie. Attention. Maintenant, qui jan dialogue là t'a doué atterri? Qui côté pour nous passer? Et puis qui est-ce qui dispose servir de médiateur dans le cadre dialogue ça? Parce que faut nous faire très attention pour nous de qui ça n'a parlé. Est-ce que c'est Amnesty nous pral bail? Est-ce que son dialogue pour rendre justice? Parce que le regarder ça nèg yo fait atterri là, nèg yo qui jan ou prend gracier là que occupé à 75% n'da capable dit jan yo pousser d'eau environ 20 000 moun dehors. Jean Negio mettait en pile moun de yon la kayou, en pile déplacé, en pile victime. Nous obligeons très prudent par rapport à Jean a traité question. Mais ancien sénateur Guy Philippe, Longemel, li dit le paré pour rencontrer avec tout moun pour bay pays a un coup de main par rapport avec question dialogue là. Mais ça, c'est ton déclaration dans cadre d'une émission et ça gagne environ un mois. Moi ouvert pour n'importe mon relim côté m'a pas la voilà si ma avec relim jodi à la mettre relim si ils ouvrent relim jodi à la relim si Aristide veut relim relim si Matel veut relim relim moi dis si on veut tout relim parce que tout contribuer dans mettre Haïti côté là okay. Pas aucun nèg là qui est responsable qui était président qui était premier ministre qui était directeur général qui pas complice
dans ce qui a passé aujourd'hui là, dans l'insécurité qui est dans la rue. Donc on va venir prendre pause. Oui, Guy Philippe dit la amnistie pour gang. Non, pas me dire. Me dit ma amnistie pour tout le monde. Parce que c'est ça son route pour nous faire, pour nous sauver Haïti, même gens l'autre pays. Tu as courage. Mandela, tu as courage. Pour le bail amnistie, bail nèg ça, tu es traité nèg noir en Afrique du Sud. Tu as un chien qui t'a tué, qui t'a écrasé, qui t'a bombardé l'école, Timoun. Mandela pour sauver l'Afrique du Sud, il était bail amnistie. Pas vrai? Parce que c'est ça, le moment qui demandé. Henri IV, roi Henri IV en France, le catholique et protestant, tout est des milliers de monde. Il va bailler amnistie avec l'édit de Nantes. En attendant, amnistie, dernièrement, la nègre Salvador, président Salvador, il va bailler amnistie. Il va amnistie. Amnistie, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui fait Haïti tort. D'abord même, qu'est-ce qui fait Haïti plus tort? Iso ou bien qui était président, qui était premier ministre? Gang, nous, dans la rue aujourd'hui, avec examen, jeune garçon, jeune femme, ou bien monsieur qui a une responsabilité pour te créer des conditions pour Haïtiens vivre bien dans le pays. Nous ne pouvons pas pardonner, nous avons fait des crimes qui sont impardonnables. Prendre la famille, tuer ou bouler nos machines, sans raison, ça c'est des crimes impardonnables. Assassiner deux personnes qui viennent aider, essayer d'aider nos orphelinats, ça c'est impardonnable. Mais c'est pour nous poser une question, comment faire arriver là? C'est mauvaise gouvernance, c'est corruption qui mène nous là. Tout autant nous pas assurer que nous finissons avec la question de mauvaise gouvernance. Tout autant nous pas assurer que nous mettons frein à la corruption et nous mettons frein à l'ingérence. L'ambassade américaine dans les affaires politiques en Haïti, n'a toujours tombé côté de nous arriver dans le pays. Je dis qu'on a un pays côté toute structure de sécurité sous compte étrangère. L'ambassade américaine, c'est lui qui contrôle la police, c'est lui qui contrôle l'armée, c'est lui qui met le ministre, c'est lui qui met le premier ministre. Nous sommes tous salvés là, il met tout salvé. Et il viole toute loi, aucun monde ne peut dire rien. Si nous ne mettons pas frein dans une mauvaise pratique, ça. Vous mettez le Kenya à venir là, tout le monde a venu, après 2-3 ans là, la situation n'a pas changé. D'ailleurs, il n'y a pas de bataille avec gang, il n'y a pas de bataille avec groupe armé. Si vous avez une bataille avec groupe armé, il n'y a pas de bataille avec gang. Et pas de gens qui peuvent remettre les armes. Donc là, au final, dans 2-3 ans, Haïti a trouvé un trou pire. Chaque jour, on a trouvé un trou, c'est pour nous assurer comme peuple, comme nation, nous mettons des conditions, madame Douan. Nous disons, ok, mon autre chance, nous baillons toute société. Nous disons, même, vous avez volé comme Petro-Caribéa, vous avez fait une équipe faux, bagaille, vous prenez l'argent, nous prions pour ne pas donner. Moyennant qu'on remette comme ça. Ou t'es volé comme tremblement de terre là, nous prions pour nous pardonner. Moyennant qu'on remette comme là, on dit qu'on là. Ou t'es assassiné, ou t'es kidnappé, ou t'es gang, nous prions pour nous pardonner. Dis qui est-ce qui bosse ça. Dis qu'on te joue une zame ça. Dis l'argent qu'on fait à côté de mettre. Dans qui banque, qui structure et qui mettre sous place pour une bonne munition. Pour nous comprendre le problème, pour nous entrer dans la profondeur du problème et pour nous résoudre le problème. Alors, qui est ce dialogue là de bail? C'est la grande question. Est-ce que le dialogue là doit déboucher sur la paix réelle? Oui, c'est ça tout le monde a souhaité. Donc, dialogue là, oui, mais en même temps, il y a un peu de monde qui souhaitait que y ait opération parce que faut que le problème ça t'a résolu une fois pour toutes. Faut que vraiment t'a entré dans la question hein, pour nous résoudre à la fois le problème justice qui n'a pas gagné et le problème injustice qui crée banditisme qui gagne dans le pays. Donc, ça veut dire, faut que la police fait travail, faut que la justice fait travail. Faut que toute institution dans le pays a yo fait travail yo par rapport avec société a qui ta loué bay en société qui gagne la paix la donne. Donc faut que initiative ka prend yo viser pour non seulement améliorer les conditions moun yo mais empêcher que pays a retourner dans sa nié là. Donc avant nous arriver dans dialogue là ancien sénateur Guy Philippe li dit qui ça qui pour faire qui base qui pour mettre. Qui s'apprête à la biodouéye semble véritablement sénateur non seulement ligué par Olio, mais est disposé à aider dans la situation qui est là pour nous capables de sortir. Informez vous-même. N'a pas qu'un bé. Où est causé qu'à parler là? Bon, moi causé, m'a dit. Vous voulez ajouter un mot dans la matin? Bon, moi-même, ça m'a dit, et avant pour nous arriver dans le dialogue, faut qu'il y ait justice, faut qu'il y ait vérité. Faut qu'il y ait vérité à bail. Faut que nous connaissions comment faire arriver ça. Faut que nous connaissions qui était bail l'autre tué président Jovenel, par exemple. Faut que nous connaissions quoi de copier au Caribe au fait. Qui est-ce qui volait au? Faut que nous connaissions, faut que vérité a dit qui est-ce qui volait comme CIRH là. Qui est-ce qui volait comme tremblement de terre après tremblement de terre là. Qui est-ce qui volait comme coopérative? Qui est-ce qui volait comme vendre toute usine payée à perte? Quelles sont les minoteries, cimenteries? C'est pour nous aller en cause, non, racine de problème là. Pour nous avoir une solution. Lorsqu'il y a une vérité, il faut que justice serve. Il faut que nous disions, ok, mais ça la justice dit. Parce qu'il y a plein de monde qui est victime. Il y a des gens qui perdent du petit, qui perdent du madame, qui perdent du caille, qui déplacent, qui vivent. Mais pour faire tout, il faut que vous fassiez confiance. Il faut que c'est des gens qui vous fassent confiance. Ou pas qu'il y ait une séance qui a pris une décision. En pile dans la situation du président Jovenel, dans le gouvernement. Ou pas qu'il y ait une séance
pendant on parler là en pile là qui vont les cop bego caribé comme c'est hier yo dans gouvernement c'est qui prend décision côté confiance ça va sortir côté confiance là donc c'est là fin faire vérité ou fin faire justice ou dit mais tout le monde qui victime pour l'état dédommager mon ça comment on a dédommager est-ce que c'est son bagage ou pas son c'est de prendre faut que l'état dit à mon qui victime en bagage là justice fin servir là nous fin tendre et toute vérité pour comprendre côté problème yo. Justice fin servir dit mais qui ça condamné mais le ça ou parler de pardon ou pardonner mon yo ou ben amnistie et après pour qu'après faire réconciliation nationale là mais comment on va faire réconciliation nationale si justice pas faite faut que justice si victime n'a pas sorti faut que dialogue c'est ça que fait amnistie nous même dans plan amnistie ben nous avons 4 étapes okay, première c'est vérité faut que peuple là compte vérité là. Oui, faut que peuple là compte vérité là. Faut comprendre problème là quand quelqu'un joue une zame qui est-ce qui bat une zame quand munition sorti qui j'en veux pour ça les tel mon yo kidnappé pour ça les tel mon yo tué qui est-ce qui dit par exemple monter Pétionville là pour rentrer caille par caille qui est-ce qui dit par exemple rentrer Gressier là on va le porter bagarre dans l'ONU qui est-ce qui bail l'ordre ça côté l'ordre ça grand planteur pour nous comprendre les cerner problème là le monde qui vole comme pays qui était ministre qui était directeur général qui était président te volé moun qui dans secteur privé pas veut payer taxes qui pas veut payer douane qui pas veut payer ça au droit l'état qui cause que ne bagain l'école qui cause que ne bagain université qui cause que jeune garçon avec jeune femme gen zam nan men aujourd'hui dans ghetto yo parce que l'état fait manger sur yo mais faut que nous connaissons problème ça faut que nous comprenions yo faut que justice servir faut que condamné faut que puni moun qui fait payer mal donc moi pour pas arrêter non dialogue seulement non nous depuis vous nous pas capable pardonner nous pas capable pardonner sans que ne pas assurer que ça va jamais fait encore faut que nous assurer que ça va jamais fait encore parce que l'état mais faut que l'état ait confiance il faut que monde parle avec faut que nous honnête vol capable parler avec l'autre monde dans l'état qui volé faut que nous lui même l'aide parler tout monde faire confiance on pas capable c'est ou mal grouiller c'est ou t'a volé c'est ou t'a crasé et puis je dis on propose on dit dialogue. Faut que dialogue la fête, mais faut que l'y fête dans le sens pour justice faite, pour vérité découvrir, pour pardon et pour réconciliation nationale. Là, vient de réalité. Parce que faut qu'on entende dans le pays pour nous avancer. Alors, nous sommes avec Atos, c'est lui qui a fait interview. Atos a réagi avec tout petit. Sénateur, en pile, vous mène, vous avez fait un so, je pense que sénateur Guy Philippe, sénateur a abordé ce même sens là avec moi. Et logiquement, dialogue là, à qui ça va aboutir, c'est à justice là. Vous comprenez ça, M. Zola? Et je me dis dernièrement là, et si nous avons besoin d'éradiquer, je me dis tout à l'heure là, si nous avons besoin d'éradiquer le problème, il faut que nous ayons la source là. Ok? Parce que, je me suis dit dans la dernière émission que j'ai fait là, je me dis que si tout le temps, il y a une injustice sociale, pas j'aime bien la peine en pays. Oui. Yeah. Mm-hmm. OK, le fait que monsieur n'est pas de paix. Pas oublier que monsieur Tino dans département qui plus marginalisé dans pays. Vous comprenez ça monsieur là, n'est pas de paix ça veut dire rien pas garanti pour moi. Pour on est pas de paix pour venir au Benstein fort, bon paquet il faut faire. Pour venir à trois, bon paquet il faut. Faut goûter en pile. OK, ça veut dire logiquement c'est comme si côté me fait là déjà condamné. Si me fait ca fort pour me condamner, me fait cité soleil me condamner. Qui ça fait ça tout simplement parce que bon groupe monde en minorité zuit. Qui estime que faut que fait beuyo sous moi-même sous Ruben sous même Vladimir Désir. Vous comprenez ça monsieur là? Son gros problème. Alors là sénateur Guy Philippe, démarche là depuis au départ pour même les biaiser de qualité moun yo même. C'est pas même dialogue là pour aller plus loin au-delà du dialogue là, même moun yo tout faut que qualifier pour ça. Ou clair sur ça matin. Faut que moun ka inspirer confiance. Faut que monsieur Gnezam yo faire confiance. Faut comment ou dit nèg la dialogue. Quand il y a soit gagne dans mon profil nèg là. Soit prend l'offre pour déposer zamien pour le bon zamien. C'est pas faire confiance. On y a parlé son série de bagaille moral race non. Bagaille faut que nous poser problème yo. Jean nous supposé poser yo pour une solution pour pays y a pas cap souffrir encore. Mais là monde qui en face cap négocier. Regardez pour eux dans gouvernement yo qui là, dans monde qui dans gouvernement cap prendre décision au pays. 10 millions qui pas impliqué non problème corruption dans pays. 10 millions qui pas là là t'a voté pour t'écraser toute sa pays, toute minoterie. Cimenterie, Téléco, coopérative, CIRH et Petro-Caribe, dis-moi combien là-dedans, ils partent dans des bacs, dans des vagabondages. Donc, vous pensez que les gens viennent chercher une vraie solution pour le problème yo? Tout le monde connaît le rôle des États-Unis d'Amérique fait et gagne pour jouer dans la misère des Haïtiens depuis 1994. Depuis le crasé sur la sécurité pays, ya. Justement pour vassaliser pays, pour mettre pied au sous le pays. Alors, pensez que le gouvernement, je dis là, côté un gouvernement américain, cap non monnaie, premier ministre, par un tweet, côté un gouvernement, cap mettre un conseil
illégal dans tête ton pays qui a pris décision pour pays, ou pensez que nous cap river vraiment vrai à solution si c'était pour solution américaine. Ou sous NZ 509, merci toutes amis internet qui tendez émission ça, pas oublier abonner, liker, partager dans tout groupe, dans tout réseau même haïtien qui vivent en Haïti ou à l'étranger nous saluer ou même qui au Brésil, en Équateur, en Argentine, dans pays Chili. Haïtien dans diaspora qui dans pays la Turquie, qui dans pays Guyane française, Suriname, haïtien qui dans pays République dominicaine et haïtien qui en Amérique du Nord, au Mexique, au Canada, aux États-Unis, nous toutes rassemblés en bas un seul drapeau et puis nous reconnaître nous un seul arrière code 509, pas oublier, partager dans tout groupe, dans tout réseau.